is to come down and dig a grave, and I'll be there watching when it throw cold earth in your face. When I'm down out your building, running around, I'm fighting for. Stack it up.
dépose pour la bonne cause. On n'en fait pas beaucoup dans la zone, alors mais juste une, c'est celle qui vient à ma main. Et on va jouer tellement fort que quand elle va arriver, vous serez tellement content qu'on la prise. Pendant la pause, vous pouvez vaquer à vos occupations, celles que vous avez déjà engagées. Vous pouvez aussi engager des discussions, celles que vous n'avez pas encore commencées, parce qu'on vous l'a pas trop permis. Vous pouvez aussi trouver vos albums. Tienes algo de los discos tuyos aquí. Sí, bueno, ahora me imagino que por la semana te ha comprado un montón de regalos que tiene de la planeta en el fondo. Hacer que vos aimez un souvenir totalmente vintage de cette soirée, puisqu'on vend encore des disques, mes amis. Alors on parle pas des disques vinyles, parce que ça c'est la mode, mais personne n'a plus les platines. On vend encore des bons vieux CD qu'on met parfois dans les voitures, celles qui datent du siècle dernier, qu'on met parfois dans les postes radio, qu'on a à la cuisine à côté de la gazinière, celles qui sont pleines de gras, mais qu'il y a encore des CD. On vend des CD, mes amis, que même vous pouvez pas besoin de les écouter, puisque vous les avez sur Spotify, mais ce que vous aurez pas sur Spotify, c'est la signature, notre produit de main, notre embrassade, notre sueur, et puis vos yeux dans les vôtres. Alors ça, vous pouvez vivre cette expérience ultime en venant voir Iker pour ses albums, en venant me voir pour mes albums. On est heureux d'être ici ce soir, on est heureux d'être ici le mois dernier, et on est aussi super heureux d'être ici le mois prochain. Le mois prochain, les amis, le mois prochain, les amis, on a un invité de marque. On essaie chaque mois de nous surprendre avec un invité de marque différent. Et c'est pas facile quand on amène des bons invités. Parce qu'à chaque fois on se dit comment est-ce qu'on peut ramener quelque chose qui nous excite. Et qui le public, ça va le surprendre. Ça va venir le griller comme grille la viande au barbecue comme ça. On vous pose sur le grill et vous êtes saisi. Alors pour que vous aimiez le mois prochain cette expérience ultime, on fait venir une chanteuse guitariste de Miami en Floride. Une super amie, une super chanteuse avant tout, une super artiste. Elle a fait le Chitlin' Circuit, comme on dit. Elle a fait tout le circuit des clubs du quartier, de tout le sud des États-Unis, de l'Alabama, du Mississippi, de la Louisiane. Elle est allée dans tous les juke jungles de tout le Grand Sud, en accompagnant l'harmoniciste Rudy Champion, et aussi sous son propre nom. C'est une super auteure, compositrice de blues, et c'est vraiment une incroyable chanteuse, dans la lignée de peut-être de certains, on pourrait dire peut-être comme Bonnie Raitt, peut-être comme, je sais pas, c'est difficile de trouver des comparaisons, parce que chaque fois c'est réducteur les comparaisons. Mais en tout cas, le mois prochain, on sera ici avec Rachel Coma, et on vous invite vraiment à prendre note de la date. Je la connais pas moi-même, mais je crois que de mémoire, ce sera quelque chose comme à la mi-mars. La mi-mars, en tout cas, on sera ici le mois prochain avec Rachel Coma. Vous pouvez d'ores et déjà vous le mettre dans un coin de la tête. On prend 10 minutes, 15 minutes de pause, on se retrouve pour un second set, vous serez encore là. Vous serez toujours là. Après, si vous avez acheté le disque, vous pouvez partir, c'est bon, vous avez la suite sur la boîte. Les amis, encore une fois, pour celui qui a traversé les Pyrénées pour être avec vous ce soir, Icarus, sur la guitare, s'il vous plaît. Jean-Claude, sur la basse, Thomas Martin, sur la batterie. Michel Poisson, partenaire et crime. Je vous donne ça pour Michel Poisson sur la guitare. Je m'appelle Corée, tout ça. Michel, ça va, c'est le thème.